faire une super fête ici, non ? Incroyable. Même peut-être avec 10 ou 15 degrés de plus. C'est ça, au mois d'août. Bon alors, c'est un peu votre deuxième maison ici, non ? En partie, oui, on a beaucoup de chance. C'est que on y joue ici de façon très régulière et qu'on a une vraie relation de confiance et qu'on peut imaginer de très beaux projets. Ce monument exceptionnel porte l'empreinte d'un grand architecte. J'imagine que vous savez lequel ? Bien sûr, Jean Nouvel. Hein. Il n'était pas seul, mais oui, Jean Nouvel en est le porteur et le concepteur originel. C'est un projet, vous savez, qui a duré, je crois, presque plus de 30 ans à émerger et qui a été pensé et rêvé par une de nos plus grandes figures françaises du XXe siècle, qui était Pierre Boulez. Ils sont magnifiques, hein, ces motifs. Alors, ce bâtiment ne fait pas toujours l'unanimité. Moi, je l'aime beaucoup. J'y suis déjà très attaché. Et ce que je préfère le plus, c'est quand vous passez sur le périphérique et que vous voyez cette sorte de proue qui dépasse et qui s'avance sur le périphérique. Et parfois, par exemple, au coucher du soleil, à la fin du printemps, tout d'un coup, tout le bâtiment devient rosé. C'est assez unique. Bonjour Raphaël Pichon. Bonjour Valérie. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes l'un des chefs d'orchestre les plus doués de votre génération. À 23 ans à peine, vous fondiez l'ensemble Pygmalion, dont nous allons parler longuement dans cette émission. Mais avant, je vous propose qu'on visite ensemble ce temple de la musique classique. La Philharmonie de Paris. Exactement, on y va ? On y va. La Philharmonie de Paris, c'est un cœur battant de la musique classique de la capitale. En journée, les visiteurs peuvent profiter du musée et de ses expositions temporaires. Jusqu'en mai prochain, le chanteur Renaud est à l'honneur. En soirée, les mélomanes ont rendez-vous dans l'une des trois salles de concert. Bonjour Emmanuel. Bienvenue. Bonjour Emmanuel. Bonjour Valérie. Bonjour Samuel. On est ravis d'être là. En deux mots, quel est le pari, le défi de la Philharmonie ? C'était un vrai défi. Vous avez raison de parler de ça parce que l'idée d'abord, c'était où allait-on la construire ? Et le point stratégique de la Villette, nord-est de Paris, c'est le lieu du contact entre Paris et le Grand Paris ou la banlieue. Et c'était le premier pari. Le deuxième, c'est est-ce que la banlieue est allait pouvoir venir ? Et ils sont venus. Et puis le troisième pari, c'était est-ce qu'on est prêt à mélanger des styles de musique, la musique ancienne, le jazz, les musiques du monde, l'électro, la pop, le hip-hop. On essaye d'inventer un nouveau monde, c'est presque une utopie. Quelque chose, hein. C'est immense. Oui, 2400 places. Quand vous êtes au milieu, vous avez l'impression presque d'être dans une arène. Il y a une distance très très faible entre vous et le public. On a l'impression de pouvoir toucher les gens. Tout le monde est autour de la musique. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'il y ait ce son dont on parle tant dans cette salle ? Alors c'est vrai que c'est un son magique. On est considéré comme une des plus belles acoustiques du monde. Je pense que les acousticiens ont pris un risque énorme. Ils ont tenté de concilier deux types de sons qui d'habitude sont totalement séparés. Ici, on a à la fois la clarté qui vous vient dessus et une sorte d'âme qui vous enveloppe et qui vient d'ailleurs. Donc, c'est un son presque mystique. Raphaël, la première fois, c'est important. Est-ce que vous vous en souvenez de votre première fois ici ? Je m'en souviens très très bien. Première fois qu'on est monté sur cette scène, c'était pour un programme Mozart aux côtés de ma femme, la soprano Sabine Devielle. Et ce sentiment totalement unique de rentrer presque à l'intérieur de la caisse même d'un instrument. Donc ça, c'est la salle d'éveil musical ? Alors, une des 17 salles d'éveil musical. Donc, la Philharmonie, c'est aussi un lieu de transmission, un lieu de pédagogie. On écoute, on fait et on discute de la musique. Raphaël, est-ce que vous vous souvenez de votre déclic, de ce premier contact enfant avec l'instrument ? Bien sûr. Moi, je ne viens pas du tout d'une famille de musiciens. Et c'est un hasard d'avoir eu la chance, à l'âge de 10 ans, de vivre cette expérience sensorielle de quelque chose qui vous dépasse, mais qui est vraiment une expérience corporelle et physiologique d'abord. Raphaël, comment devient-on chef d'orchestre ? À quel moment on choisit cette voie quand on a été initié au piano, au violon et au chant ? Il y a toujours un tout petit peu cette légende que les chefs d'orchestre sont
des messieurs dans la force de l'âge, avec une grande queue de pie, les cheveux blancs et une grande baguette. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de route toute tracée pour un chef d'orchestre. En fait, il y a presque autant de chefs d'orchestre que d'histoire et de parcours. Et moi, c'est un parcours un peu singulier. J'ai commencé par le violon, effectivement, le piano, puis finalement, je me suis mis au chant. Mais depuis l'âge de 15 ou 16 ans, je voulais fonder mon propre ensemble, mon propre chœur et mon propre orchestre. Alors, vous êtes gaucher. Atout ou handicap pour jouer de la baguette ? C'est un sujet, effectivement, qui aujourd'hui déjà a beaucoup, beaucoup changé. Mais dans les canons de la direction d'orchestre, il y a encore, c'est vrai, quelques années, il y avait des écoles où on pouvait vous expliquer qu'il n'était pas possible d'être gaucher pour diriger, tout simplement parce que ce qu'il faut comprendre, c'est très simple, c'est que dans la main droite, on tient la baguette. En tout cas, ce sont ça les codes érigés en canon depuis 200 ans. Et souvent, à votre droite, justement, il y a ce qu'on appelle les basses de l'orchestre. Donc, un tout petit peu les fondamentaux de l'orchestre. Donc, c'est là où se tient le rythme. Et la baguette, elle est là pour organiser justement le rythme. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la main de l'expression, c'est-à-dire celle qui va donner vraiment tous les contours, les mouvements, les nuances de la musique, et donc qui s'adresse plus naturellement, c'est vrai, aux premiers violons qui portent le plus souvent la mélodie de la musique et qui sont à votre gauche. Donc, il y a une certaine logique. Mais après, je crois qu'aujourd'hui, tout ça, la façon aussi d'appréhender la direction d'orchestre et la façon de diriger, c'est aussi énormément enrichi. Il y a aujourd'hui plein de gens qui dirigent de façon très, très différente. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Parlez-nous de votre formation, Pygmalion, que vous avez créée en 2006, chœur et orchestre sur instruments d'époque. Quelle est sa vocation ? Notre vocation, c'est avec une grande exigence, avec une grande générosité, avec une grande attention, avec aussi, j'espère, parfois beaucoup d'inventivité, réveiller l'âme, les messages et toutes ces expériences sensibles, sensitives, exceptionnelles que peuvent nous apporter ces musiques du passé et redémontrer que, s'il y a besoin encore de le faire, de redémontrer et transmettre à quel point toutes ces musiques n'ont rien de vraiment raisonnable et qu'elles peuvent complètement changer, bouleverser des vies et être aussi un peu des témoins de tout ça. Vous venez tout juste d'enregistrer un opus consacré à la musique sacrée de Bach. C'est une partie de l'œuvre de Bach assez méconnue. Si vous voulez, c'est un peu une sorte de d'Everest pour un ensemble vocal. C'est-à-dire que ça fait partie des pièces à la fois les plus exaltantes, les plus dingues, les plus vertigineuses que Bach ait écrites, mais donc aussi les plus difficiles, les plus virtuoses. Et donc, c'est des pièces qui ont une importance très particulière dans notre histoire, et même affectivement, parce que ce sont des pièces que moi, j'ai chantées comme enfant, qui font vraiment aussi partie des raisons de ma vocation de musicien aujourd'hui, et ce sont des pièces qui, avec Pygmalion, avec ce groupe, on joue déjà en concert depuis plus de 12 ans. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a vraiment mûri et qu'on a pris le temps de travailler sous tous ces aspects avant de les enregistrer. La crise sanitaire, elle a mis à l'arrêt une grande partie du monde du spectacle, mais vous avez décidé que ce ne serait pas une fatalité. Alors vous vous battez. Je sais qu'au mois de novembre, vous deviez donner toute une série de représentations à l'Opéra Comique d'Hippolyte et Arissi. Évidemment, ces représentations, elles n'ont pas pu se tenir en présence du public, mais vous avez quand même joué le spectacle. De quelle manière ? Eh bien, oui, avec beaucoup de détermination, en passant parfois évidemment par des moments compliqués. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une production d'opéra, c'est 2 à 3 ans de travail en amont pour penser le projet, faire le casting. Vous voyez, c'est un tout petit peu comme un projet d'écriture d'un long métrage, si vous voulez, parce que c'est une machine très, très importante, l'opéra. Et on a décidé de s'accrocher et tout simplement d'inventer une façon un peu différente de filmer cet opéra, avec la possibilité d'avoir des caméras au point, des caméras embarquées, des caméras sur scène, surtout qu'on avait un décor, un très très beau décor, qui était une sorte de dédale, de labyrinthe d'escalier qui représente les enfers, pour une expérience, en fait, si vous voulez, un peu plus immersive dans cet opéra. Et cet objet-là, il a été diffusé en décembre sur Arte. «
Bon, je vais à présent vous poser une question difficile. Je vais vous demander de choisir. Vous vous êtes produit sur les plus grandes scènes françaises et internationales. Je vais vous demander de choisir l'un de vos meilleurs souvenirs et de nous en faire le récit pour nous faire voyager un peu. Un souvenir un peu fleur bleue. Nous étions en tournée au Mexique et nous jouions dans le nord du Mexique, dans la première grande cathédrale conquistador, où, de mémoire d'homme, il n'y avait jamais eu de concert de musique classique. Il y avait là des dames qui étaient chargées de fermer cet énorme portail juste avant le début du concert. Elles ont fermé ce portail et juste au tout dernier moment, il y a un papillon, un magnifique papillon tel qu'on peut les imaginer dans ces pays, dans ces zones tropicales, un papillon qui était bleu-violet et qui est venu se poser sur le rebord de l'orgue, du petit orgue qui nous servait pour le concert. On a fait le concert, et je vous jure que c'est vrai, il est resté là tout le concert, et à la dernière note, au moment où les gens applaudissent, il s'est envolé, il est reparti. Dans son Paris des Arts, Raphaël Pichon nous présente son ami de longue date, Julien Desmontiers, un peintre qui a l'art du grand écart. Il passe de l'abstrait au figuratif en explorant toutes les techniques, à l'arrivée, une œuvre singulière qui s'expose partout dans le monde. Tous les deux, vous étiez ensemble à l'école. Ça fait 20 ans que vous ne vous êtes pas revus. Donc en fait, cette émission, c'est l'occasion. C'est ça, la dernière fois que j'ai vu Raphaël, j'avais 14 ans, je pense, quelque chose comme ça. Je sais que les artistes, les peintres en particulier, détestent en général qu'on essaye de décrypter leur œuvre, qu'on essaye de leur donner une signification. Alors, je ne vais pas m'y risquer, mais je voudrais quand même que vous essayiez de me parler un petit peu de votre univers, de vos sources d'inspiration. La peinture, dans ce cas-là de très général, a tout ce qui me plaît. C'est-à-dire que c'est une pratique qui est très solitaire. Et la peinture avec un grand P englobe un champ tellement vaste déjà de possibilités, de savoir-faire, que c'est ça qui m'a intéressé au début, plus qu'un artiste, une méthode, une façon de faire, ou un format, ou ce genre de choses. Tout ça est venu après. Vous avez un peu l'âme d'un explorateur. Vous grattez, vous collez, vous regrattez, ouais. Vous recollez, vous décalcomaniez. Concrètement, pour arriver à ce tableau-là, qu'est-ce que vous avez fait ? Tout ce que vous pouvez imaginer, mais à l'envers. Ah ouais ? C'est-à-dire qu'on a l'impression, on peut avoir l'impression que ça ressemble à une fresque abîmée par le temps, érodée. Et en fait, il n'y a aucune soustraction de matière. Tout est ajouté. D'accord. C'est-à-dire que les textures que vous voyez là, par exemple, ne sont pas des textures que j'ai retirées pour pouvoir accéder au fond du tableau. Le fond du tableau a toujours été visible. La toile a été montée couche par couche, successivement, pour arriver à ça. L'image vient en dernier. D'accord. Alors, Raphaël, vous nous parliez tout à l'heure de votre envie de transversalité, de faire mieux communiquer les différents arts. Est-ce que la musique pourrait venir sublimer une exposition de peinture, par exemple ? Est-ce que la peinture pourrait être une source d'inspiration pour vous ? C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de points communs avec la musique. La musique, c'est avant tout une technique, une maîtrise. Comme l'est pour Julien, on peut voir que son travail est d'une technique assez impressionnante. Et la seule chose qui compte, c'est la peinture en elle-même. Et je crois que c'est une quête, moi aussi, que je cherche un tout petit peu avec la musique. On a parfois un tout petit peu le défaut de vouloir étiqueter les musiciens dans certaines disciplines, certains répertoires. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique. Alors, si on devait, là, maintenant, tout de suite, faire un petit clip vidéo pour mettre en lumière les œuvres de Julien, quelle musique vous caleriez dessus ? Moi, en tout cas, je vous parlerais volontiers un peu de décalage. Là, il se trouve que je viens de passer quelques semaines en compagnie d'une grande, grande figure, un grand, grand monsieur de l'histoire de la musique française et qui s'appelle Jean-Philippe Rameau. C'est le premier grand peintre de l'histoire de la musique française. C'est un peu la vraie grande naissance de la couleur. Et évidemment, comme toute naissance, la naissance, elle se fait un peu dans l'excès. Elle se fait dans l'excès, dans la liberté, et aussi dans l'idée de, à la fois, digérer les grands codes de ce qui existait déjà, mais aussi d'envoyer tout balader, de repousser les frontières. Bon,
Raphaël, c'est déjà l'heure de se quitter, mais pas avant de vous avoir demandé ce qu'on peut vous souhaiter à court terme. Une nouvelle époque sans le Covid et avec des salles remplies à ras-bord d'un public venant écouter une nouvelle époque remplie de créations, de nouveaux projets, d'une vie artistique foisonnante qui n'oublie personne. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez retrouver l'émission consacrée à Raphaël sur notre site internet. Et puis, vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. On vous attend très nombreux sur le compte Instagram Le Paris des Arts Off. À très vite. Merci. Merci à vous, Valérie. Merci. Merci.